Bonjour. Aujourd'hui, Adine nous présente le chapitre 2, les lois, les actes et les faits juridiques. Je nomme les actes et les faits juridiques. Donc, toujours quand on dit la présentation par un petit cas, en fait, Omar a conclu un contrat de travail avec son employeur. Les deux parties contractantes se sont mises d'accord sur les clauses du contrat. Et voilà, et voilà. On retourne vers sa maison pour annoncer la nouvelle à sa femme et la heurter. Une femme qui semble être enceinte. Alors, la première question, quelle est la nature du contrat conclu entre Omar et son employeur? Il s'agit ici justement d'un contrat de travail, parce que c'est un contrat de travail. Les parties contractantes sont-elles d'accord sur les clauses du contrat? Oui, et sont d'accord sur les clauses du contrat parce que ils se sont mis d'accord sur les clauses du contrat, les clauses moelle faux sol. Et justement, lorsqu'on est d'accord, donc on doit signer le contrat. En fait, la signature, donc on doit avoir deux exemplaires, et un exemplaire pour l'employeur et Driss, et un autre exemplaire pour Omar, pour l'employé Omar. L'acte conclu entre Driss et Omar, les effets et les conséquences sont voulus ou les effets et les conséquences ne sont pas voulus. Les effets et les conséquences sont voulus parce que on a signé le contrat. Puisqu'on a signé le contrat, déjà on a une idée sur les effets et les conséquences que pourront produire si jamais il y a un problème entre Driss et Omar. Donc les conséquences sont voulues et les effets aussi sont voulus. L'acte conclu entre Driss et Omar, c'est un acte juridique. Alors l'acte juridique, comme il est signalé ici, c'est une manifestation de volonté, c'est-à-dire c'est une volonté, c'est un moi qui veux. Dont les conséquences et les effets sont voulus par l'auteur de cette manifestation de volonté. Les exemples d'actes juridiques, c'est le contrat par exemple. Et le testament, l'wasiyya. Donc l'wasiyya, c'est les conséquences d'l'wasiyya. Donc le testament sont voulues. C'est moi qui veux, bien sûr, transmettre tout mes biens à une autre personne après ma mort, par exemple. Pour le contrat, les conditions de travail, le salaire, s'il y a une mobilité ou pas, c'est-à-dire le lieu de travail, une blasa, donc elles sont définies dans le contrat. Au-delà de la définition de l'acte juridique et l'effet juridique, bien sûr, ça va me permettre d'aider en matière les preuves, c'est-à-dire d'élil, en cas d'un problème. Quand Omar a heurté la femme, s'agit-il d'un acte volontaire? Lorsqu'il a heurté sa femme, c'est pas un acte volontaire parce que c'est un acte qui est aléatoire, non voulu. Les conséquences sont-elles préalablement définies? Non, ne sont pas définies tout simplement parce que l'acte lui-même n'est pas volontaire. Alors, il s'agit ici d'un fait juridique. Un fait juridique est un comportement involontaire dont les effets il résulte de la loi et non pas de la volonté de l'auteur du fait. Parce que lorsque vous signez un contrat de travail, les effets ils résultent de l'acte lui-même que tu as signé. Parce que le contrat, il y a la référence d'IEN, c'est en maths, les preuves, les canchés, problèmes, litiges, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'un fait juridique, dont le comportement et l'événement il est involontaire, là on va se recourir à d'autres sources de preuves, les qui connaissent la loi, les qui connaissent le juge ou les qui dans ce sens. Exemple, il y a l'effet juridique, par exemple un acte de circulation, un accident de circulation. Maintenant, on va passer pour la classification des actes juridiques parce que ce qui nous intéresse le cours, ce sont les actes juridiques. Les actes juridiques ont plusieurs classifications. Kénine, des actes juridiques, l'ikikono déjà signés par les deux parties, le contrat de travail signé par les deux parties, mais légalisé, simplement une légalisation simple, beledia ou la place à vous, où vous légalisez, ou l'acte authentique. Alors, l'acte authentique, ce n'est pas un acte qui est signé par les deux parties, mais il doit passer par un officier
ministériel aux fonctionnaires pour donner plus d'authenticité à l'acte. Par exemple, les actes d'ILB, en cas l'acte d'ILB, une maison, automatiquement, l'acte d'ILB est un notaire. باش يكون لاكت محمي لاكت الاول اللي قلت لكم غير دير تو سامبلومون غير سيني و ليغاليزي عادي كيتسمى اكت سو سين بريفي ستادير سو سيناتور بريفي سي ان اكت سيني بار لي كون بار لي بارتي كونتراكتون سان باسي بار ان اوفيسيي بوبليك دون لو كا ديال كونترا دو ترافاي il s'agit d'un acte sous signe privé et c'est pas un acte authentique. Pour les autres types des actes, qu'il y a par exemple les actes unilatéraux. Un acte unilatéral, c'est un acte signé par une seule partie, mais qui est une deuxième partie, le testament, le wasiya. Par contre, il y a des actes bilatéraux, en fait, des actes bilatéraux, signés par les deux parties, le contrat de travail, c'est un acte bilatéral parce qu'il est signé aussi bien par Omar que par Driss. Il y a aussi des actes multilatéraux licenciés au-delà de deux personnes, trois personnes et plus. L'acte de la création d'une chérique, d'une société qui confie par exemple trois associés ou quatre associés, c'est un acte multilatéral. Pour l'acte synalagmatique, c'est quoi un acte synalagmatique? C'est un acte signé où elle est confiée à la contrepartie. هاد لا كونتربارتي خصها تكون يعني اعطيني نعطيك كاين لي دو عندهم دو زوبليغاسيون الاول عنده اون اوبليغاسيون والثاني عنده اون اوبليغاسيون لان فيزافي دو لوتر لان انفير لوتر الا كانت هاد باغ اكزومبل ناخدو ان اكزومبل ديال لاكت ديال البيع ديال ان فون دو كوميرس ولا اون ميزون هاد لاكت بيان سور يكون بيلاتيرال با انتر لاشتور اي لو فوندور Raikun acte authentique parce qu'il doit passer automatiquement par un officier public, les ou un notaire. Raikun acte synalagmatique parce que Kina la contrepartie. Raikun acte à titre onéreux parce que une partie va donner de l'argent, une autre partie va donc doit donner le bien, c'est-à-dire la maison. Les actes synalagmatiques, c'est-à-dire fier à la contrepartie, mais fier la monnaie, mais qui n'a une contrepartie monétaire. Par exemple, testament, c'est pas un acte synalagmatique parce que qui n'a une obligation envers Téchéhed, ou à il est à titre gratuit parce que le flux, en fait, le bien, les rendez-vous, la transmission. À titre gratuit sans contrepartie monétaire, c'est-à-dire l'aspect onéreux de la chose. Selon ces critères, le contrat de travail, c'est un acte bilatéral, synalagmatique à titre onéreux. D'autres caractéristiques, l'acte, il va prendre fin d'une manière instantanée ou là, il va s'étaler dans la durée. Acte instantané ou à l'acte fille m'affiche la durée, c'est-à-dire il se fait immédiatement. Par exemple, même si le café ou un café emporté, c'est un acte instantané. Par contre, l'acte entre Omar et Idriss, c'est un acte mais instantané, c'est un acte successif. Alors, parce qu'il va s'étaler sur, par exemple, 6 mois ou la plus, ou la une année, ou la tout dépend du contrat. كيبقى نعطيني نعطيك لا فورس دو ترافاي نعطيك دو ترافاي وتعطيني انت لو سالير voilà pour les pour la preuve bien sûr c'est une démonstration de la réalité d'un fait on distingue deux systèmes de preuve preuve libre ou preuve légale pour le dahir des obligations et contrats elle a distingué généralement entre deux types de preuves parfaites et imparfaites. Pour les preuves parfaites, on a une preuve liquide, c'est-à-dire 100% wadhin. Donc, la preuve littérale, il y a le contrat, c'est une preuve. L'aveu judiciaire, l'aveu ou l'i'tiraf, ou bien sûr le serment, c'est le serment décisoire.
Alors, je n'ai le serment ou le fait une partie de l'autre partie, donc c'est une preuve considérée par le dahir des obligations au contrat comme étant une preuve parfaite. Pour les preuves imparfaites, il y a les témoignages, les présomptions, des questions lesquelles le juge, elle a les deux parties en conflit. Ou qui se met à gagner le mohammed, les avocats, on bête le juge qui dit ce qu'on appelle des déductions, c'est-à-dire qui peut dire, qui dit, qui fait l'information, il fait, il le pour le serment supplétoire. Alors, le serment supplétoire, c'est le juge qui demande à l'une des parties un no-hilf. Donc, compléter les présomptions de dialogue, pour compléter donc les témoignages, les tatas, etc. Ou gars, les documents, le juge, les documents bien sûr non signés, le juge, et après la décision de dialogue, bien sûr, les documents non signés. Des factures, des livres de commerce, le juge de la décision dialogue. Ok, bien sûr, il y a l'aveu extrajudiciaire qui est l'aveu judiciaire ou l'aveu extrajudiciaire ou l'aveu juste les parties, fait état de la devant le juge. Qui attabro le DOC, des arrières des obligations et contrats, comme étant une preuve imparfaite. Voilà. Bon courage. Les questions, là, les questions du compte.